Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, notre chère maman. Nous lisons dans Matthieu 27, à partir du verset 15, Pilate qui veut trouver une solution pour Jésus, pour le libérer. Il croit avoir trouvé un chemin pour libérer Jésus parce qu'il n'est pas du tout convaincu qu'il est coupable. Lisons. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier pour la foule, celui qu'elle voulait. Ils avaient alors un prisonnier fameux appelé Jésus Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Pilate, qui avait dit à Jésus quelque temps plus tôt, c'est quoi la vérité? Il savait qu'en vérité, Jésus avait été livré à lui par envie religieuse. Et il ne voulait pas du tout faire plaisir aux responsables religieux juifs. Il y a eu des antécédents où Pilate les avait provoqués. Mais maintenant, Pilate fait quelque chose. Il croit que c'est une bonne idée, mais en fait, il ne rend pas justice. Il accepte que la foule décide. Il accepte même que la foule soit manipulée et fasse le choix. En fait, Pilate, il ne prend pas vraiment sa responsabilité. Demandons au Seigneur que nous ne laissions pas des décisions que nous devons prendre nous-mêmes à d'autres, mais demandons au Seigneur le courage de prendre les décisions que nous avons reconnues comme être les bonnes sans nous laisser manipuler ou manipuler d'autres personnes pour prendre des décisions qui sont importantes. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te louons, car par ta croix, tu as sauvé le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.